Oui, mes chers collègues, écoutez, je trouve que le viager public et solidaire est une bonne idée, puisqu'il s'agira de permettre aux personnes âgées propriétaires, mais aux revenus parfois justes, de pouvoir rester dans leur logement. Et cela permettra par ailleurs à la ville de pouvoir augmenter les logements sociaux dans le diffus, et notamment dans les arrondissements bien souvent déficitaires en logements sociaux. Alors, avec cette délibération, en plus, on va pouvoir également soutenir le principe de la valeur d'usage des logements et non la valeur spéculative. Alors j'entends les inquiétudes de la part de certains, mais je ne vois pas en quoi la ville jouerait ainsi les investisseurs contre ses habitants. Je ne suis pas d'accord, puisqu'il s'agirait bien sûr d'avoir des propriétaires volontaires, bien évidemment. Pour celles et ceux qui pensent que l'aspect morbide du viager, eh bien, il faudrait plutôt l'abandonner, eh bien, je n'entends pas leurs parlementaires intervenir pour justement abandonner la question du viager. Et par contre, je suis bien sûr convaincue qu'il va falloir nécessairement beaucoup de garde-fous et beaucoup de précautions pour mettre en place cette mesure. Je vous remercie.